Fondée par Essonno Bala Joseph, née en 1881, Elik Essonno compte parmi les tout premiers quartiers de la ville de Yaoundé. Il est construit sur les traces du village Ngolo 1. La première personne photo là, Essonno Bala Joseph, avec son surnom Bozoa. C'est lui qui créa cette élection, le premier chef de groupement de Yaoundé premier. Après sa mort, le 21 janvier 1951, son fils, son unique fils, Bala Essonno Martin. Ouais, la Bala Essonno Martin, il a pris le trône, on a intronisé, après la mort de son père en 1919. Et il mourut en 1958. Donc, en 1958, sa fille, parce qu'il avait deux filles, il est mort. Donc, c'était son unique enfant qui est resté. Donc, il fut la femme à mon père. Situé à Ndjungolo 1, entre Etoimeki au nord, Mvogada au sud, le centre commercial à l'ouest et Essos à l'est, Elik Essonno est considéré comme un héritage légué par les anciens occupants de ce quartier. L'héritage, quelque sorte, il dit que c'est l'héritage d'Essonno. Donc ce qu'il a créé, qu'il avait créé, c'était le chez lui. Ça c'est son village. Ce village de Essonno-Bozoa. Qui a fait venir parce qu'il n'a pas vendu. Hein. Ce que vous voyez là, vous aurez le temps de voir tout en face à tous nos voisins qui n'ont pas acheté. Il avait besoin des gens. Parce que le village ne pouvait pas rester comme c'était après la bourse. La rue qui traverse le quartier porte officiellement le nom du fondateur, mais est généralement connue sous le nom Sepper, qui tient son nom d'une imprimerie qui a été installée et portait le nom Sepper. Depuis lors, cette imprimerie est devenue un point de repère pour les habitants de la ville de Yaoundé. Comme ça, parce que c'est, comme on dit, monter Fanta Citron, descendre du dos. Donc, c'est quand on a créé, on a construit. Ses pères ont facilité les points de repère, sont de nom de rue ses pères. Parce que quand vous dites rue ses pères, toutes les élections vous demandent où. Carrefour ses pères, en descendant ses pères, rue ses pères, allant vers la délégation, partout du Carrefour. Donc c'est là où est venu le nom de rue ses pères. Cette rue abrite plusieurs locaux commerciaux. Elle héberge, comme certaines grandes rues de la capitale, les hôtels, les restaurants, les stations d'essence et plus. Mesdames et messieurs, nous avons été très heureux de vous faire découvrir l'une des facettes de la ville de Yaoundé. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour une nouvelle découverte. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne. Retrouvez-nous également sur Facebook, Instagram, Twitter. Merci de votre fidélité à Voice Cameroun TV.